bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je suis contente de vous retrouver après ce presque mois d'absence qui est dû à une totale désorganisation de ma part. Mais bon, l'important c'est que je revienne et cette fois-ci avec un peu d'avance. Pour aujourd'hui, j'ai trouvé que ce serait sympa de faire un petit reset et faire un peu le point sur le mois qui est passé. Pourquoi pas sur l'année finalement, parce qu'on est déjà en décembre et je me dis que décembre, pour moi en tout cas, j'aime bien que ce soit un petit mois de préparation tranquille à 2024. Je trouve que c'est plus intéressant de réfléchir dès maintenant à ce qu'on veut en 2024, à ce qui est important pour nous, au projet qu'on a envie de créer, tout simplement. Et le fait de travailler dessus dès décembre, et ben ça permet en janvier d'être beaucoup plus réactif, d'être beaucoup plus dedans et d'avoir eu le cerveau et l'esprit qui commencent déjà à travailler en arrière-plan. Donc voilà, bienvenue dans cette vidéo. Ce que je vais faire là, c'est que je vais commencer ma journée par remplir un peu ma master to-do. En fait, je me suis fait une to-do list avec toutes les choses auxquelles je pense que je dois faire, histoire de vider un peu mon cerveau et de m'alléger. C'est pas ce que j'utilise au quotidien. Et c'est après, quand j'organise ma journée ou ma semaine, que je vais piocher dans cette master to-do en fonction des choses les plus importantes et prioritaires du moment, les tâches que je dois réaliser. Mais là, je sais que je veux refaire la page de vente de ma formation sur le podcasting, que je veux refaire la masterclass gratuite, etc. Et en fait, j'y pense depuis plusieurs jours. Et au lieu de garder ça dans ma tête et d'y penser constamment, en fait, je vais le mettre sur une to-do et je vais m'en débarrasser. Comme ça, j'ai la conscience tranquille, je sais que c'est noté et que j'ai pas de soucis à me faire là-dessus. Est vide, que j'ai enlevé toutes les idées, toutes les choses à faire, que j'ai mis sur une base de données histoire de me décharger un maximum, on va pouvoir passer au reset et un peu au bilan de cette année. Ça a été une année de lâcher prise pour le coup, parce que j'ai pas eu le choix, clairement, j'ai dû ralentir tout ce que je faisais, donc c'était pas une année de croissance pour mon activité, donc je vous le dis comme ça si ça peut vous rassurer vous aussi, on n'est pas obligé d'être en croissance constamment, on peut avoir des années, voire plusieurs, où on est là pour restructurer, pour remettre un peu de sens et d'orientation dans tout ce qu'on a construit, surtout si on a une activité depuis quelques années déjà. Je pense que c'est bien d'avoir ce genre d'année là pour mettre un peu les choses au clair. Maintenant, je trouve que j'ai plus de clarté sur ce que j'ai envie de mettre en place, sur la façon aussi dont je dois développer les choses. Je me posais depuis pas mal de depuis plusieurs années, des questions sur mon podcast en fait. Parce qu'arrivé à un moment donné, il existe depuis 4 ans. Ça fait 4 ans que je publiais du contenu toutes les semaines, tous les mercredis. Cette année, j'ai pas publié beaucoup d'épisodes. Je vais pas vous mentir, ça m'a pas manqué. Et je pense que si ça m'a pas manqué, c'est parce que j'ai évolué et que je redoutais un peu le moment où j'allais devoir faire évoluer mon podcast avec moi, parce que j'ai peur que ça ne plaise pas aux gens, qu'ils trouvent que c'est plus du tout aligné avec ce qu'ils veulent écouter. Bref, quand t'as construit une émission, un podcast, et que les gens l'écoutent, t'as peur de faire des changements, parce que tu te dis mais en fait ça va les faire chier quoi, s'ils m'écoutent c'est pour une raison spécifique. Donc au lieu de m'écouter moi et de me dire le plus important c'est quand même que j'ai une plateforme de communication et un média qui soit représentatif de mon évolution, de mes centres d'intérêt, etc. En fait, je me suis forcée à rester dans la même ligne édito, ce qui a fait que je n'ai plus eu envie de créer du contenu, ce qui a fait que je me suis désintéressée du podcast. Voilà, tout simplement. Au final, j'ai décidé que pour 2024, j'allais reprendre ce podcast que je n'ai pas du tout envie d'abandonner. Le problème, il est là, hein, c'est que j'avais pas envie de publier du contenu. En même temps, je voulais pas le laisser tomber. En fait, j'ai juste changé un peu la ligne éditoriale, m'éloigner un peu de l'aspect marketing, du virage marketing que j'ai pris il y a plusieurs années déjà, pour revenir à quelque chose d'un peu plus... J'ai pas envie de mettre d'étiquette, j'ai pas envie de dire dev perso, j'ai dit lifestyle, parce qu'on peut tout mettre dans la catégorie lifestyle, mais en fait, j'ai envie de parler de plein de trucs. J'ai envie de parler de comment j'ai réussi à instaurer une routine sportive, j'ai envie de parler de l'amitié dans la trentaine, vous voyez, plein de sujets comme ça. Et pendant un temps, j'avais hésité à lancer un autre podcast en me disant je pars sur de nouvelles bases, je fais différemment. Et en fait, j'ai sondé mon audience en story et tout le monde me dit mais en fait meuf, ton podcast déjà il s'appelle Build Yourself, donc concrètement ça fait partie du processus. Dans le nom de ton podcast, il y a ce processus de construction, d'évolution, etc. Et en plus, quand j'ai lancé mon podcast en janvier 2019, ce n'était pas un podcast sur le marketing, l'entrepreneuriat, je parlais beaucoup de dev perso. Donc on m'a dit hop, te lance pas dans un nouveau podcast, reste sur celui-là et juste change ton contenu, fais ce qui te plaît, grosso modo. Donc je me suis dit, ok, ça m'a pas mal rassurée, je vais pas vous mentir. Donc du coup, il y a ça à mettre en route pour janvier, pour le coup, avec des nouveaux épisodes, faire différemment. J'espère que voilà, ça va m'aider à retrouver un peu la flamme avec tout ça. Ça veut aussi dire que mon podcast ne sera plus la plateforme qui va me permettre de vendre mes différentes offres digitales. Donc il y a aussi cette réflexion à avoir. Donc je pense que je vais relancer, entre guillemets, mon compte Instagram et parler un peu plus sur Instagram de mon travail et de ce que je fais. Maintenant,
maintenant, je vais élaborer une stratégie un peu plus intentionnelle, on va dire. Ce qu'on va faire, dans un premier temps, histoire de bien se resetter, et je vous invite à faire la même chose de votre côté, si vous regardez cette vidéo et que vous êtes en train de bosser, en fait, on va se faire une did list, et on va faire une liste de toutes les choses qu'on a réalisées cette année. Ça va nous forcer à faire une petite rétrospective. Si vous utilisez le template de reset mensuel que j'ai mis à disposition gratuitement, n'hésitez pas à revenir dessus, parce que vous avez du coup les grandes lignes de ce qui s'est passé chaque mois de votre côté. Si vous ne le connaissez pas et que vous ne l'avez pas encore, n'hésitez pas à le télécharger dans la description de cette vidéo, puisque de toute façon, il n'est pas daté, donc vous pourrez l'utiliser pour l'année prochaine, et dès maintenant d'ailleurs. Avant de commencer à regarder ses objectifs de l'année et de voir si on les a atteints ou pas, faire une did list, eh bien, ça permet de prendre conscience de tout ce qui a été accompli et de se rassurer un peu pour les personnes qui ont tendance à se flageller si elles n'ont pas atteint leurs objectifs. En fait, la did list, elle va vous faire relativiser et vous faire comprendre qu'en fait, si, c'est pas parce que vous n'avez pas atteint certains objectifs que vous n'avez rien foutu. Vous avez fait plein de choses en fait. Effectivement, j'avais oublié que j'avais fait des trucs cette année là. Je repasse en revue mes templates de reset. En fait, j'avais carrément oublié que j'ai donné une conférence au mois de mars. Mais qui suis-je? Pour qui est-ce que je me prends? Allez, je vais noter tout ça parce que c'est très cool. Donc, pour la catégorie pro, dans un premier temps, en janvier, j'ai lancé ma chaîne YouTube. Ça, c'est cool. Et ça, ça me fait plaisir. J'ai participé à Catching et j'ai atteint l'objectif que je m'étais fixé. J'ai donné ma première conférence devant une centaine de personnes. C'est pas une mince affaire. Alors, ce que j'ai fait d'autre, eh bien, j'ai eu ce bureau, donc nouveau bureau pour mon activité, qui d'ailleurs, en termes de déco, vous l'avez remarqué, n'a pas tant avancé que ça. Bref, alors, je vais pas me porter l'œil, donc je vais pas vous raconter ce qui se passe pour l'instant, mais il y a des chances en fait que je change de bureau déjà. Donc, du coup, j'arrive pas à me résoudre à continuer la déco ici, en sachant que potentiellement, dans quelques mois à peine, ça risque de changer un peu. Donc, voilà, ça reste comme ça. Moi, ça me dérange pas que le bureau soit pas fini. Est-ce que vous, ça vous dérange? Parce que ça devrait pas, hein. C'est pas chez vous. Donc, nouveau bureau, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai créé une nouvelle offre, notamment email simplifié, qui est un pack de templates d'email, qui est une petite offre, mais très pratique, et que les gens aiment beaucoup, pour lesquels il y a pas mal de retours. Donc ça, c'est très bien, et ça me fait plaisir. J'aime bien, quand je tape dans le mille, on va dire, c'est toujours un plaisir. Quelques heures plus tard, dans une ambiance un peu plus cosy, quand c'est la fin de la journée comme ça, je vous avoue que une petite boisson chaude, en plus je me suis fait v'là la mousse, bon elle a déjà disparu, mais je me suis acheté un mousseur à lait, il est exceptionnel, un petit truc là qui coûtait moins de 20€ en plus je crois, trop bien, trop efficace, donc j'ai ma petite boisson chaude, je suis dans mon petit setup, et ce qu'on va faire, c'est que maintenant que la did list est faite, on va pouvoir passer aux objectifs. Alors si je peux faire entre guillemets le point sur les objectifs de 2023, ce que j'ai remarqué, c'est que j'en ai pas mis beaucoup. Je pense que je savais que cette année j'allais lever le pied et que j'étais pas dans un mood je vais tout cartonner, je vais exploser, enfin bref, j'étais pas du tout dans un mood de croissance à fond, et je pense que c'est pour ça que mes objectifs sont des intentions plutôt. Ah bon, il y avait quand même l'objectif de lancer voilà la chaîne YouTube, de faire certains projets etc qui ont été faits, mais c'est vrai que dans l'ensemble ce qui comptait pour moi avant toute chose c'était de trouver le bonheur dans les choses simples et surtout d'avoir plus de temps pour vivre ma vie tout simplement et ne pas la passer à travailler. Enfin bref, j'ai envie de poser quelques intentions pour 2024 et pourquoi pas quelques objectifs, tout en sachant que ce n'est pas forcément les objectifs définitifs, et c'est déjà pour moi la possibilité d'orienter un peu l'aiguille et de savoir vers quoi j'ai envie de m'orienter sur l'année prochaine, ce que j'ai envie de concrétiser, j'ai envie de dire. Je pense que l'intention numéro 1, vous le savez, hein, j'en ai parlé en début de vidéo, mais ce serait de relancer mon podcast du coup avec une ligne édito moins prise de tête, moins marketing, plus vie dans la trentaine, vie de tous les jours, voilà, juste être plus spontané, j'ai envie de dire. C'est un objectif, une intention que j'ai avec mon podcast. J'ai également envie de faire de YouTube ma priorité, parce que certes cette année je me suis donné l'impulsion de lancer cette chaîne, mais pour autant c'était loin d'être sur le haut de la pile dans les choses que j'avais à faire, mais j'aimerais bien développer ça, et je sais que j'ai les clés, je sais que j'ai déjà tout ce qu'il faut savoir pour développer une chaîne YouTube, et qu'il n'y a plus qu'à passer à l'action en vrai. J'ai également envie de restructurer un peu mon écosystème d'offres, parce que bon, j'ai envie de me fixer un objectif financier, et je sais aussi que pour atteindre cet objectif financier j'ai deux options, soit je garde les offres que j'ai actuellement, et dans ce cas là il va falloir que j'en vende beaucoup, parce que ce sont des offres
offres qui vont de 27 euros à 497 euros. Voilà, le maximum chez moi c'est 497 euros. Et donc je sais qu'avec une offre à ce prix là, si je veux atteindre mon objectif financier, je vais devoir en vendre beaucoup. L'autre option, c'est de vendre une offre à un prix premium, comme je l'ai fait d'ailleurs en 2021, et donc de proposer une offre un peu plus coûteuse qui m'aiderait à atteindre cet objectif un peu plus rapidement, on va dire, qui me nécessiterait en tout cas d'avoir moins de volume, donc moins de ventes et moins de clients pour atteindre le même résultat. Donc c'est une réflexion que je suis en train d'avoir et que je pense que je vais avoir sur tout le mois de décembre, et avec laquelle je vais en parler avec des amis entrepreneurs, etc., pour avoir une petite idée. Mais c'est vrai que l'inconvénient, je trouve, des offres premium, enfin c'est pas vraiment un inconvénient, je sais pas comment vous expliquer sans que ça paraisse négatif, mais en fait je suis une personne très introvertie et le fait d'interagir avec les gens, ça me demande énormément d'énergie. Voilà, ça me pompe mon énergie clairement. Et donc la question c'est de savoir, c'est que quand les gens attendent, quand les gens rejoignent une offre premium, c'est pour avoir accès à un certain support en soi. C'est surtout ça la différence. C'est dans les rendez-vous qu'il va y avoir avec la formatrice ou la coach, le coach, etc. C'est dans des lives de groupe ou ce genre de choses. Bref, ça nécessite plus de notre personne, on va dire, que de vendre une offre premium. Et c'est vrai que moi, le modèle des formations en ligne me va bien parce que je peux créer le contenu, le mettre à disposition et les gens le regardent quand ils veulent, le suivre à leur rythme, etc. Moi, par exemple, je suis une personne qui ne suit pas de coaching de groupe, de coaching live, en fait, je veux juste des formations en ligne et je veux même presque plus de formations en ligne. Je veux des trucs hyper concrets, hyper précis, genre des templates, des machins. Je veux des choses qui vont droit au but. Je suis ce genre de personne. Visualiser une offre premium qui implique un peu plus de support de ma part, voilà, c'est une réflexion que je dois avoir. Après, je dis pas que c'est forcément le modèle à suivre, hein. Il y a des entrepreneurs dont l'écosystème ne consiste à vendre qu'à des petites offres. Il y en a d'autres qui te vendent que une offre premium. Vraiment, ça dépend de chacun, mais moi j'aime bien rendre mon contenu et ce que je sais accessible à tous, donc à tous les prix. Et c'est pour ça que j'aime bien avoir des choses qui coûtent moins de 100 euros, comme j'aime bien en avoir qui coûtent moins de 300 et ensuite moins de 500. Donc voilà, j'aime bien varier et faire une petite offre, une moyenne et pourquoi pas une offre premium. L'une des autres choses qui serait intéressante pour l'année 2024, une autre de mes intentions, ce serait de développer ma stratégie d'affiliation. Parce que c'est vrai que l'affiliation, je vois clairement le potentiel. Je vois que, évidemment, à chaque fois que je mets de l'énergie dedans, eh ben, j'ai des résultats et ils sont plutôt très intéressants. Et je suis particulièrement motivée par le fait que les entrepreneurs américaines que je suis et qui font de l'affiliation font du 6 chiffres à l'année. Alors, c'est sûr qu'elles ont une certaine stratégie en place et surtout qu'elles ont une grande audience. Mais en fait, je me dis, tu peux faire ton biz tranquille avec de l'affiliation, évidemment. Donc, ma stratégie, ça va être de développer ça. Donc, dans un premier temps, de faire une liste des outils que j'utilise et de voir s'il y a des programmes d'affiliation. Donc tout ça, j'ai déjà commencé. Et ensuite, je vais devoir me faire tout simplement un plan de contenu pour détailler à quelle fréquence et quel contenu je vais créer autour de ces logiciels, de ces produits, etc. que moi j'utilise et qui pourraient être utiles à mon audience. Donc ça passe notamment par le fait d'écrire des articles de blog, parce qu'un article de blog, eh ben, c'est un contenu evergreen qui va durer dans le temps. Donc ça joue forcément en ma faveur et sur le long terme, pendant 2 ans, 3 ans, ce sera encore lu et mon lien affilié sera encore là. C'est une stratégie intéressante. Je vais également en profiter pour optimiser mon site internet avec différents liens, placer dans mes newsletters, sur mon compte Instagram, etc., dans différentes stratégies. Et disons que l'un des focus de cette année, ce sera bien ça, la stratégie d'affiliation. Est-ce que c'est quelque chose que vous faites de votre côté? Est-ce que vous avez un retour d'expérience à me partager ou est-ce qu'au contraire, c'est aussi quelque chose qui vous intéresse? Parce qu'à la limite, je pourrais vous détailler tout ce que j'ai analysé et tout ce que je compte mettre en place pour développer tout ça de mon côté. Ah, et à Londres, je me suis acheté le Productivity Planner de la marque intelligente Change, qui est une marque qui a été fondée par Alex Icon et Mimi Icon, qui sont deux entrepreneurs que personnellement j'adore parce qu'ils sont vraiment dans cette idée de développer un business, mais pas pour hustle, pour avoir plus de temps, pour vivre, pour prendre soin de soi. Vraiment, pour moi, c'est du dev perso sans culpabilité pour le coup. Si vous ne les connaissez pas, n'hésitez pas à aller écouter quelques épisodes de podcast. C'est toujours très riche et très intéressant à mon goût. Je l'ai feuilleté un peu, j'ai décidé de le prendre et de l'utiliser cette année pour m'organiser au quotidien. En fait, ma difficulté avec Notion, c'est que très rapidement, ça devient une usine à gaz. Chez moi, c'est un bordel, ça devient un bordel. Je n'arrive pas, je suis bordélique dans ma nature de base. Donc ça se reflète dans mon Notion. C'est un bordel sans nom et en fait, ça m'horripile à tel point que je n'ai plus du tout envie d'aller sur Notion. J'ai cherché une alternative à Notion. Voilà, il y a Asana, il y a Monday, il y a ClickUp et tout. Mais je kiffe pas trop. Et je me suis dit, mais en fait, tu te prends la tête à chercher un nouvel outil de gestion de projet alors que c'est sûr que tu vas foutre le zbeul comme t'as fait sur Notion. Ça, c'est sûr et certain. Donc je me suis dit, on va tester quelque chose de nouveau. Donc le Productivity Planner, je l'ai trouvé hyper bien fait. Je pense que je vous en reparlerai quand je l'aurai bien testé, etc. Mais en soi, j'ai lu les premières pages qui expliquent comment ça fonctionne et je dois avouer que j'aime beaucoup ça. Ça aide à synthétiser. On commence forcément par mentionner une chose pour laquelle on est reconnaissant ou reconnaissante, puisque Alex Icon et Mimi Icon, c'est quand même les créateurs du 5 Minute Journal. Si vous ne connaissez pas, voilà, c'est le petit journal
très très connu et qui permet de noter chaque jour trois choses au réveil pour lesquelles on est reconnaissant et trois choses le soir. Et donc on commence chaque page par je suis reconnaissante pour et on met. On pose également une intention et ensuite on a la possibilité d'avoir trois tâches seulement par jour. Et c'est ce que je fais déjà de manière générale parce que pour moi c'est tout. En fait tu peux pas avoir une to-do list journalière à rallonge. Donc là le but c'est de faire la tâche la plus importante en premier. Et en général la tâche la plus importante c'est celle que tu procrastines, celle qui te crée un peu de peur, qui te saoule, etc. Celle-là tu la mets en première. En général c'est la plus importante et celle qui va t'apporter des résultats. Donc t'as cette tâche que tu dois noter et ensuite t'as ce qu'ils appellent un focus time qui est en fait une session Pomodoro. Chaque rond représente une session de 30 minutes et donc l'idée c'est de, dans la target, de mettre le nombre de sessions focus time que tu penses réaliser sur cette tâche. Admettons que ma tâche importante ce soit de refaire la masterclass de ma formation, la masterclass gratuite. Et bien je vais estimer que j'aurai besoin de 4 focus time, donc ça me fait 2 heures en tout, donc c'est 30 minutes, 5 minutes de pause, ensuite on revient à 30 minutes et en fait à chaque fois qu'on accomplit 30 minutes de focus time, et ben on remplit le petit rond et donc à la fin dans le actual on verra combien de temps réellement on a mis pour accomplir cette tâche et je trouve que c'est un bon moyen déjà d'évaluer le temps qu'on peut passer à faire certaines choses. Donc ensuite une fois que ça c'est fait et seulement une fois que la tâche la plus importante est faite, on peut passer à la tâche secondaire et à des tâches additionnelles si jamais on est dans une journée ultra productive. J'ai l'impression que ça va me plaire parce que c'est la manière dont je fonctionne déjà pour le coup. Donc je me dis peut-être qu'en optant pour un notebook et en revenant à une méthode un peu old school, eh bien, j'aurais pu ce sentiment de bazar complet que j'ai actuellement sur Notion. Donc voilà. Il est temps de préparer à manger et je vais faire une quiche ce soir. Je suis sûre que vous avez l'impression que je mange tout le temps la même chose. En fait, je vous assure que ça fait hyper longtemps que je n'ai pas mangé. Je me demande si j'en fais pas une à chaque fois que je fais une vidéo. Et tout simplement parce que c'est simple à faire, c'est rapide et c'est efficace. Je ne sais pas. Écoutez, quoi qu'il en soit, au menu ce soir, une petite quiche au thon. Je devais aussi faire un petit velouté de potimarron, mais franchement, j'ai la flemme de couper le potimarron là. Pourquoi c'est les courges là, toutes les courges qui sont succulentes, elles sont aussi galères à couper? I don't understand. Regardez-moi cette petite beauté bien dorée. J'ai trop hâte de goûter. Bon, j'ai même pas un peu de salade pour manger avec. Vraiment, mes tiroirs sont vides. Mais c'est pas grave. Petite vidéo YouTube, petite quiche et la soirée est très bien. Dites, je me pose une question. S'il y en a parmi vous qui ont déjà fait du blanchiment dentaire, est-ce que vous avez fait genre les petits stylets qu'on met sur les dents? Est-ce que vous êtes allé chez une esthéticienne? Est-ce que vous êtes allé chez un dentiste? Qu'est-ce que vous avez fait? Parce que ça m'intéresse, j'aimerais bien faire un petit blanchiment, mais je sais pas trop, j'ai pas commencé à regarder. Dans ma tête, je me dis que c'est potentiellement chez un dentiste. Il y a tellement d'options que je sais pas. Donc voilà. Je sais pas ce que vous en pensez. Je trouve que quand on prend de l'âge, l'une des choses sur lesquelles il faut faire attention, c'est très superficiel ce que je vais dire. Je trouve que l'une des choses sur lesquelles s'attarder, ce sont les dents. Parce que je trouve qu'avec les dents, on voit tout de suite si une personne prend soin d'elle ou pas. Donc j'ai envie de prendre soin de mes dents et j'ai envie que quand je serai vieille, si Dieu le veut, eh bien j'ai une bonne dentition, que j'ai des dents propres, qui soient blanches, vraiment voilà, bien alignées. Non, elles bougent tout le temps parce que je sais pas avaler ma salive correctement. Mais bref, je trouve que c'est représentatif de l'attention qu'une personne porte sur la même. Ça et puis les mains. D'ailleurs pour les mains, personnellement, là comme on est en hiver, je fais un gommage une fois par semaine. Et sinon tous les jours, je mets de la crème sur mes petites mains parce que sinon elles sont très sèches. Et pareil, les mains, ça nous trahit tout de suite. Des mains sèches comme des bras secs, surtout quand on a la peau mate et foncée, bah ça se voit en fait. Donc bien hydrater ces petites mimines, c'est hyper important. Je vais vous montrer ce que moi j'utilise pour ça, même si vous n'avez pas du tout demandé. Pour le gommage, j'utilise tout simplement la marque Rituals. J'aime bien, ça sent bon, ça fait des années que j'utilise ça, c'est très très bien. Après si vous n'avez pas de budget, vous pouvez juste prendre du miel et de la cassonade, ça fait très bien l'affaire aussi. Et pour la crème, moi j'utilise celle-ci de la marque Aveda. Et si jamais vous en avez une autre à me conseiller, pourquoi pas, parce que j'arrive bientôt à la fin de mon pot là. Mais du coup vos conseils et vos petites astuces sont les bienvenus là-dessus, sur les dents et sur les mains.
Eh bien, comme vous pouvez le voir, je suis reluisante, la skincare est faite. Maintenant, eh bien, je vais mettre un petit film pour terminer cette soirée, un petit film de Noël. Hier, j'ai regardé Maman, j'ai raté l'avion. Donc je pense que ce soir, ça va être Maman, j'ai encore raté l'avion. Des classiques. Si vous ne les avez pas revus depuis longtemps, faites-vous un kiff. En ce moment, je re-regarde tous les films de quand j'étais petite. Ça me fait toujours les mêmes émotions. Bon, en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Je vais faire en sorte de mettre beaucoup plus de contenu sur le mois de décembre. Je vais essayer de faire mardi, jeudi, samedi. Peut-être que j'y arriverai pas tout le temps, mais c'est un peu mon idéal que sur ce mois de décembre. Parce que je me dis que c'est l'occasion de trouver un peu plus de temps pour créer. Je vous dis à très vite pour un nouveau contenu. Salut !